Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du coloriage maléfique. Donc on a bien avancé le dragon et là on va continuer à avancer pour le dragon. Donc je vais reprendre mon crayon de couleur rouge foncé et puis je vais continuer. En mettant du jaune un peu de temps en temps pour que ça fasse un effet de mélange entre couleurs. Regarde si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien.
Désolée. Je reprends le plus clair pour aller jusqu'au foncé. Reprends mon jaune. Je reprends le foncé. Et maintenant, je fais un mélange des trois. Tout en faisant attention à ne pas trop mélanger pour éviter que justement la couleur se casse. Je passe juste des petits coups pour faire le blanc. Alors je vais regarder si, parce que je vais peut-être vous rebouger. Alors, je suis désolée. Voilà. Pour que vous voyez mieux, normalement vous devez voir là. Donc maintenant, je reprends le clair pour repasser encore par-dessus. Et je reprends le foncé pour repasser encore par-dessus. Mais sans trop appuyer pour qu'on voit quand même le clair. Voilà. Maintenant, on va. Alors, je vais être obligée de vous rebouger si vous voyez. Ah bah si, je vous voyais encore un petit peu. Je suis vraiment désolée, mais comme je vous ai expliqué, j'ai pas un appareil photo. Géniaux, donc du coup, enfin génial plutôt, pardon. Alors du coup, je filme comme je peux. Donc, on va passer le jaune par là, sans descendre trop bas, parce que je veux mettre du rouge. Là, maintenant je prends le foncé
reprends le jaune. Encore le rouge foncé. Voilà, s'il reste du blanc, j'y ferai hors caméra. Je regarde combien de temps il reste. Ouais, il reste encore un petit peu pour que je puisse avoir le temps, j'espère, de ne pas rendre le clair et de faire ici. Alors, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. S'il y a des moments où je vais tout doucement, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a les doigts de Maléfique. Et là, il y avait les doigts aussi de Maléfique. Et du coup, pour éviter de mettre du rouge sur ses doigts, parce que ça ne sera pas la couleur que je veux utiliser pour ses doigts, du coup, je fais très très attention de ne pas aller sur ses doigts. Maintenant, je reprends le foncé. Là, je suis obligée d'aller doucement parce que je veux pas non plus que ça aille trop sur le jaune pour que le jaune y reste quand même.
Je reprends le jaune. Je fais comme tout à l'heure, je vois du blanc, je mets un peu de foncé de partout, mais sans appuyer trop fort pour qu'on voit le clair. Après, je ne sais pas si vous voyez le clair, mais moi j'arrive à faire la différence. Voilà. Il reste pas grand chose, hein. Donc là je reprends le jaune. Alors attendez, je vais voir si vous voyez. Non, il faut que j'avance un peu. Voilà. Je vais faire vite parce que ça va bientôt couper. Je voudrais bien au moins finir le dragon avant de faire la prochaine vidéo. Là, je fais tout en jaune. Mais je vais rajouter un peu de rouge dessus. Donc je prends mon rouge foncé. Des petits traits comme ça, voilà. J'adore le rendu que ça fait. Je sais pas vous, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc pareil, je vais faire le blanc qui reste hors caméra et puis on se retrouve pour la suite pour commencer à faire la maléfique. Passez à tout, j'allais dire passez à tous, c'est pas français, désolé. Bah, je vous dis à très très bientôt. Gros bisous.